bizarre comme angle. Mais bon. Faites les moyens du bord. C'est rigolo d'ici. Je pense que t'as l'impression que ce qui est dans ma tasse est vert. Ça n'a pas l'air très ragoûtant comme ça, mais c'est délicieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Tarot Thé. Je sais, il était temps que j'en fasse un, il était temps que je me remette à tourner des vidéos, mais figure-toi que, comme tu l'as remarqué, je ne suis toujours pas dans mon petit espace personnel à la maison. Je suis toujours dans le bureau de monsieur, tout simplement parce que le menuisier a un mois de retard pour faire ma bibliothèque. Ce qui veut dire que je n'ai toujours pas mes outils sous la main, je n'ai toujours pas mes objets préférés du monde entier sous la main. Donc c'est un peu compliqué de trouver l'inspiration pour filmer, mais la bonne nouvelle, c'est que normalement, tout devrait être réglé la semaine prochaine. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, on va faire un tarot thé, parce que j'ai envie de vous papoter de certains trucs là, et c'est le moment. Voilà. Si tu es nouveau par ici et que tu ne sais pas ce que c'est qu'un tarot thé, laisse-moi t'expliquer le concept. Il s'agit d'une vidéo où on sirote ensemble une petite tasse de thé, ou de café, ou toute autre boisson chaude qui anime ton petit cœur, et puis on discute tarot de manière complètement décomplexée, comme si vraiment on allait boire un petit truc ensemble et qu'on papotait de notre plus grande passion. Il faut que je te dise que les tarotés à la période de l'automne sont mes préférés. Ça fait déjà, en fait, 3 ans que j'ai créé le premier épisode du taroté en 2019. Et le tout premier épisode du taroté, c'était un épisode d'automne, de novembre, je pense, tout début novembre. Ça me rend nostalgique, en fait. J'aime le tarot à l'automne. J'aime le tarot tout le temps, mais à l'automne, il y a quelque chose d'assez particulier. Il faut se l'avouer. Je commence évidemment par te présenter le contenu et le contenant que j'ai dans la main actuellement. Donc, ceci est une merveilleuse tasse automnale de la collection automnale de Caro from Woodland, qui est une illustratrice que j'aime énormément. Je pense que ce mug doit être sur toutes les étagères d'automne maintenant, tellement il a eu un succès fou et il est juste magnifique avec sa petite forme toute arrondie. Et puis, tu vois, j'essaie de te le montrer d'un peu plus près. Mais ouais, j'aime énormément ce qu'elle fait. Et donc cette année, je me suis pris son petit mug d'automne. Et à l'intérieur, j'ai la tisane Nox qui accompagne l'oracle sur demande. Parce que c'est une tisane pour moi, encore une fois, c'est une tisane d'automne absolument parfaite. Donc voilà, je pense que c'est la réglisse qui fait ça. Il y a de la menthe aussi quand même. Ouais, non. Je l'ai bien pensée. Je pense qu'elle est tout terrain pour toute l'année. Exceptionnellement, je ne m'accompagne d'aucune petite gourmandise aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai pas envie. Et surtout, il faut que je te dise quelque chose. J'ai mangé mon dernier roulé à la cannelle. Tu sais, moi j'aime bien, je fais une grosse fournée de roulé à la cannelle. Et puis en fait, je les congèle individuellement. Et je m'en sors un de temps en temps et je le passe au micro-ondes. Et alors il est tout chaud et tout fondant et encore tout frais et tout. Mais voilà, j'en ai plus. Donc c'était roulé à la cannelle ou rien du tout. Ce sera rien du tout. Je vais commencer par te parler du dernier tarot acheté. Et je l'ai oublié, je vais le chercher. Ça sera plus simple quand j'aurai tout à portée de main, hein, t'es d'accord avec moi. Le dernier tarot acheté, eh bien figure-toi qu'il date d'il y a un moment. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le vendredi 21 octobre. Eh bien, le dernier tarot que j'ai acheté doit remonter à cet été. Peut-être un peu tard dans l'été, peut-être début août ou quelque chose comme ça. Mais j'ai bien cherché, j'ai bien fouillé dans ma mémoire. Je pense pas me tromper. En disant que le dernier tarot que j'ai acheté, c'est le Hollow Valley Tarot. Donc, le Hollow Valley Tarot, en français, créé par Erin Alize, je sais pas, et Davis Carr en 2021. Donc, c'est un tarot qui vient dans cette petite boîte comme ça, et alors qui vient avec un guidebook assez, assez sympa. Voilà, en noir et blanc. Donc c'est un tarot tout en noir et blanc. Il y a les reproductions à chaque fois en grand dans le guidebook. Alors pourquoi j'ai acheté ce tarot? En fait,
c'est un tarot spécial, là. Tu vois, ça, c'est pas un tarot classique et j'ai tendance à me diriger de plus en plus vers des tarots qui ont un truc. Tu vois, je sais que tous les tarots qui sont dans ma collection, ils sont là pour une raison, en fait. Et ils ont tous un petit truc, tu vois. Mais c'est vrai que je me rends compte que je deviens de plus en plus exigeante sur le choix de mes tarots. Et celui-ci, alors déjà, très intuitivement et très subjectivement, ce tarot, j'ai beaucoup d'amitié. C'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à ce jeu. Parce que tu vois, cette maison-là, représentée sur la boîte du jeu, ressemble à mon ancienne maison. La petite maison, mon petit cottage anglais, je l'appelais. En fait, c'est exactement le même. Ma maison, elle était comme ça. C'était ma maison. Et quand je l'ai achetée, bizarrement, ce qui m'a fait l'acheter, je l'avais en ligne de mire depuis un moment. Mais c'est ça. C'est cette maison-là qui est, en fait, représentée de temps en temps dans le jeu. Tu vois. C'est très bête, hein, mais il y a... Franchement, parfois, il y a une raison infime qui fait que je peux craquer sur un jeu. Ça, c'en est une. Et c'est un jeu qui est très particulier parce que c'est en fait un ensemble de symboles. Donc, je vais peut-être pas prendre tout le jeu, juste pour te montrer. Donc, c'est un jeu classique, on va dire que les suites sont assez classiques, il n'y a pas de grands changements par rapport à ça. Mais par contre, tu vois, là on a le page de pentacle, donc le valet de denier. On est en fait face à ce genre de jeu. Donc c'est très très particulier. Parce que c'est une suite de symboles en fait. Alors, c'est particulier parce que il n'y a pas de scénographie, mais c'est pas non plus quelque chose de pipé. C'est vraiment spécial, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Alors c'est un jeu que j'ai vu beaucoup sur la chaîne de Katou, Katou Tarot. Elle l'utilise beaucoup et elle aime beaucoup notamment le livret. Parce qu'il y a tout un retravail astrologique aussi qui a été fait sur les correspondances au niveau des cartes, etc. Donc j'ai pas encore vraiment moi fouillé cet aspect-là du jeu. Mais c'est un jeu vraiment spécial aussi dans son utilisation du coup. Parce que moi quand j'utilise ce jeu, généralement... Lumière revient. Quand j'utilise ce jeu, généralement il y a un symbole qui ressort. Et ce que je fais, c'est que je travaille sur ce symbole. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans le guidebook, il n'y a pas vraiment de démarche pour expliquer pourquoi ces symboles-là ont été choisis. Et parfois même, c'est pas facile de savoir de quel symbole il s'agit. Par exemple, moi qui ai une connaissance des plantes extrêmement limitée, ça là, sur la carte du 2 de pentacle, ça, je sais pas c'est quoi. Voilà. Alors il y a des grillons là ou des sauterelles, j'en sais rien, il y a des bougies éteintes, ça c'est intéressant, des bougies éteintes. Il y a une balance, il y a un pentagramme, etc. Mais je veux dire, ouais, c'est pas évident. Mais par contre, ça change l'expérience tarot. Ça change l'expérience de lecture de cartes, d'utiliser un tarot comme ça, un peu spécifique, enfin un peu spécial dans son approche. Donc c'est le Hollow Valley Tarot, c'est le dernier tarot que j'ai acheté. Je l'ai utilisé justement dans des tirages conversationnels, comme j'aime dire, avec mon ancienne maison et ma nouvelle maison, pour faciliter en fait un peu... Bon, alors moi je considère que vous savez que j'ai une approche, enfin vous savez peut-être pas, mais que j'ai une approche, enfin que j'ai une vue animiste, un mode de vie animiste, je sais pas trop comment on peut appeler ça, j'ai pas envie de faire de gaffe dans mes étiquettes, mais... En gros, je considère que chaque chose a une conscience et ma maison, pour moi, était une entité à part entière, comme ma nouvelle maison l'est. Et j'ai eu besoin de faire ce travail vraiment de conversation avec les énergies de ma maison pour faire pour avoir un espèce de passage, de rituel de passage comme ça. Et ce tarot m'a beaucoup aidée pour ça. Donc voilà, ça c'est le dernier tarot que j'ai acheté. Le risque et le piège dans les tarotés, c'est de ne pas boire le thé. Voilà, ça c'est... Ou de se rendre compte qu'on l'a pas bu à la fin et du coup il est froid. Ça aussi, ça arrive. Next catégorie. Là, je vais vous parler des tarots que j'utilise en ce moment.
D'accord? Donc, il y a deux tarots que j'utilise en ce moment, que j'aime bien utiliser en ce moment, en sachant que pour l'instant, ma pratique tarologique, elle est assez... Ah, j'allais dire assez réduite, c'est pas vrai. J'ai pas une pratique tarologique réduite, je pense que j'aurai jamais vraiment une pratique tarologique réduite. Je touche des cartes tous les jours. Mais j'ai une espèce de routine que j'aime beaucoup et je laisse ça comme ça. Pour l'instant, ça me convient. Donc le premier que j'utilise depuis cet été déjà, c'est le Visionary Tarot. Donc le Visionary Tarot, c'est un tarot que j'ai acheté parce que il me faisait penser, il est basé sur une thématique nautique, de navigation, d'exploration, etc. Et quand j'ai refondu un petit peu Lunaison pour le transformer en taronaute, ce tarot évidemment était parfait. Parce qu'il collait à la thématique et puis il collait aussi à toute la charte graphique autour de Lunaison. Hein. Vous savez que moi, le noir, le blanc, le doré, hein, on aime ça chez Taronaute. Ouais, j'ai dit Lunaison. Pff, il faut vraiment le temps hein, que... Tu sais, c'était Lunaison pendant 3 ans, là. Il faut le temps que ça change. Le Visionary Tarot, il vient avec un tout petit guidebook comme ça et puis les cartes... alors, il y a plusieurs éditions. Moi, c'est l'édition Golden, donc avec ce reflet doré. Mais le reflet doré n'est présent que sur les cartes à l'arrière, c'est très très brillant, hein. Et sur le côté. Mais par contre, les cartes en elles-mêmes, les illustrations sur les cartes sont toujours blanches sur noir. Et voilà, ça c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très brillant, donc c'est très compliqué de montrer à la caméra. Mais j'aime énormément ce jeu. Qui, je l'accorde, n'est pas très automnale. Et moi qui ai une pratique extrêmement saisonnière, c'est très particulier que je n'ai pas encore, que je ne sois pas encore lassée de ce jeu. Mais comme je dis, il a une vibe d'exploration qui fait que je ne l'utilise que d'une manière pour l'instant. C'est que je me tire une carte, une seule carte, et cette carte m'accompagne pendant plusieurs jours jusqu'à ce que je sente que j'ai capté son message et que, enfin, ou j'ai compris la leçon, ou j'ai compris enfin, la leçon. Bref, j'ai travaillé avec la carte le temps qu'il fallait. Et puis, je la remets dans le jeu et je retire une autre carte. Donc c'est un jeu qui n'est jamais vraiment complet parce qu'il y a toujours une carte en dehors du jeu. Et en fait, cette carte, je la mets dans mon petit journal. Alors j'ai tendance à appeler ça le Little Black Book. Parce que j'utilise un Moleskine noir à la base, mais bon, là, c'est pas un Little Black Book, mais bon, on s'en fout. C'est le même principe. C'est la marque... c'est Katou qui m'a fait découvrir cette marque. C'est la marque Waverly Scotland. Et c'est un tartan. Alors, celui-là, c'est le tartan de l'île de Skye. Donc, voilà. Et en gros, c'est un journal... c'est un journal... là, je l'ai commencé le 15 septembre, par exemple, et j'en suis déjà ici. Tu vois, j'ai déjà rempli tout ça. Je pense qu'il va me faire jusqu'à la fin de l'année, plus ou moins. C'est un journal brouillon. Voilà. Bon, là, par exemple, il y a des dessins... Oh, tu vois rien avec la luminosité, mais ça, c'est un dessin de Sacha qu'elle a fait dans la voiture, etc. C'est le petit journal qui me suit absolument partout, 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 partout. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin de ces journaux, évidemment, il y a une pochette. Et donc, comme tu peux le voir, je range à l'arrière de la pochette... La carte que j'ai tirée pour l'instant, qui est l'équivalent du cavalier de coupe, The Maiden of Vessels. Et donc, voilà. Ça, c'est ce que je fais pour l'instant. Et donc, en fait, comme j'ai toujours ce journal avec moi partout, il est dans la maison, il est dans ma poche, il est dans mon sac, quand j'ai un moment, je sors la carte et je prends des notes, en fait, dans le journal sur ce que cette carte m'évoque en ce moment, pourquoi elle est si importante en ce moment pour moi. Voilà, donc ça c'est le tarot que j'utilise quasiment uniquement dans cette optique-là pour l'instant. Donc tu vois, c'est une pratique routinière que j'aime beaucoup parce que là par exemple, la cavalière de coupe, je crois que j'ai dû la piger lundi ou mardi. On est vendredi, je capte toujours pas. Le deuxième tarot que j'utilise en ce moment beaucoup et que j'aime de tout mon cœur, c'est le Dark Mansion Tarot. Alors ce jeu, je sais, il est partout, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore, mais il a vraiment la vibe halloweenesque que j'aime. On n'est pas sur un tarot horrifique, etc., etc. On est vraiment sur un tarot très enfantin pour moi.
qu'est-ce que je l'aime. C'est un univers magnifique, c'est Taroteca Studio qui a publié ce jeu. Alors, je ne sais plus, est-ce que c'est écrit ? C'est une large size edition, donc c'est l'édition très large. 2018, c'est la version mat avec le doré mat et l'arrière marron, un peu grimoire comme ça. C'était la version que je préférais. Mais je sais qu'elle existe en brillante, avec les bords noirs, pas le même dos. Enfin, on s'est un peu customisé ce jeu, c'est assez rigolo. Mais j'aime beaucoup l'univers dépeint dans ce jeu. En fait, il me fait pas. Je vais pas dire qu'il me fait penser au Deviant Moon parce que c'est pas du tout la même vibe. On n'est pas du tout dans la même vibe. Mais ça, c'est un tarot exceptionnel en pathworking. C'est un tarot exceptionnel pour explorer l'univers dépeint à l'intérieur. J'aime énormément ce tarot. J'adore l'ambiance. C'est typiquement un tarot de maintenant. Alors, sincèrement, d'habitude à Halloween, à l'approche d'Halloween, comme ça, genre deux petites semaines avant Halloween, j'utilise le Halloween tarot. Mais encore une fois, c'est dans des cartons, je sais pas où il est. Voilà. On fait avec ce qu'on a. Ce jeu-là, par contre, je l'utilise pour des tirages un peu plus classiques. Généralement, tu sais bien que je me fais des tirages contextuels, mais j'aime bien l'utiliser pour des tirages un peu plus classiques. Ou alors, ce que j'adore faire avec ce jeu, il m'inspire beaucoup pour ça, c'est tirer une carte et écrire un texte, un poème, un truc, une incantation peut-être même, pourquoi pas, une affirmation. Quelque chose, mais en tout cas je trouve qu'il est très inspirant pour ça, pour l'écriture. Donc j'adore l'utiliser pour ça aussi, et j'aime bien le parti pris sur certaines cartes, c'est pas que un clone du Rider. Il y a quand même un parti pris mignon parfois sur certaines illustrations, c'est très très riche en détails. Moi ce sont les tarots que je préfère, donc voilà. Dark Mansion Tarot, encore un tarot que j'utilise pas mal en ce moment. Je serais incapable d'utiliser ce jeu à un autre moment que là, maintenant, en fin d'année. C'est-à-dire que lui, il pourrait me suivre facilement jusqu'à Noël, parce qu'il y a quand même ce truc un peu de Burtonien, Dickensien, tu vois, un truc comme ça. Du coup, j'aime bien, c'est jusqu'à Noël, je pourrais l'utiliser sans problème. Mais après, c'est fini, là. Après, il reste dans une armoire jusqu'à l'année d'après. Ok, au suivant, je vais vous parler de ma lecture tarologique du moment. Et alors là... vous allez vous dire, mais what the fuck? Bon, tu sais là que mon tarot préféré, il se trouve dans cette merveilleuse boîte en bois, parce qu'il a le privilège de se trouver dans une boîte en bois. Tu sais que mon tarot préféré, c'est le Deviant Moon Tarot. Voilà, c'est mon premier tarot que j'ai étudié avant même d'étudier le Rider-Waite. C'est un tarot qui est sur le marché depuis des années, des années, des années. C'est un mass market qui est facilement trouvable. J'aime tout dans ce jeu. J'aime le cardstock, j'aime la taille des lames, j'aime l'illustration, l'univers. J'aime tout dans ce jeu, j'aime tout. Et figure-toi que depuis que j'ai ce jeu, donc j'ai dû l'acheter en 2018 du coup, ouais. Et bien depuis que j'ai ce jeu, je n'avais jamais acheté le livre qui accompagnait ce jeu. J'ai toujours eu envie de le faire, mais je me suis toujours retenue de le faire. Pourquoi ? Parce que le Deviant Moon Tarot et moi, on a un lien très très fort. Voilà. Au point que, s'il faut que je tire les cartes à quelqu'un et que cette personne a dit « Ah, mais justement, j'ai le Deviant Moon, je peux pas tirer avec le sien. » Non, son Deviant Moon, c'est pas mon Deviant Moon. Même si c'est les mêmes illustrations. Alors, je sais pas si ça vous le fait, ça, mais moi, c'est systématique. Voilà ma lecture tarologique du moment, le Deviant Moon Tarot Book, Art Book de Patrick Valenza. Je me régale. Donc on a déjà des illustrations en pleine page du Deviant Moon Tarot, avec des pistes d'interprétation données par l'auteur en position normale ou renversée. Et en plus, on a un peu le background de toute sa life là, de créateur. On a des dessins de lui quand il était enfant, on a les premiers sketchs, on a toute l'histoire du Deviant Moon qui en fait a commencé quand il était en préadolescence.
C'est un truc de fou, moi je trouve que c'est un truc de fou. Et du coup, j'en apprends vraiment, vraiment beaucoup sur ce tarot. Et c'est, je me régale. C'est un coffee table books, tarologique, parfait. Bon, déjà, le livre est très, très soigné, hein. C'est une merveille. Hein. Bon, et après, il n'est pas donné, hein. Je pense qu'il doit être à une 40aine d'euros, je pense. Mais c'était mon petit cadeau cet automne. Et mon Dieu, voilà, je suis fan, archi, archi fan de l'univers de Patrick Valenza et de toutes les histoires qui se cachent dans le Deviant Moon. En fait, d'avoir conscience de ces histoires maintenant, ça me... Ah, ça va encore renforcer plus le lien que j'ai avec ce jeu, je pense. Mais c'est bien que je me sois donné le temps de construire moi-même mon histoire avec ce jeu. Et c'est typiquement un jeu que j'appelle un jeu Horcrux, un tarot Horcrux. C'est-à-dire que quand tu lis le livre, tu sens à quel point il y a de Patrick Valenza dans ce jeu. Genre, tu prends le Deviant Moon, c'est comme si tu tenais Patrick Valenza dans les mains. C'est très bizarre ce que je viens de dire. Donc je recommande, évidemment, à 1000%. C'est pas une lecture d'apprentissage, tu sais, où tu vas fluoter dedans et tout, mais ça fait du bien d'avoir des beaux livres tarologiques aussi, avec des belles images, avec des belles explications, un truc de qualité. Parce qu'il y a quand même des artbooks en tarot qui sont pas géniaux. Genre, je pense au artbook du Next World Tarot, qui en fait n'a aucune valeur ajoutée, si ce n'est de voir les images en immense. Mais c'est tout. Celui-ci, il y a une vraie valeur ajoutée. C'est un vrai grimoire qui accompagne son tarot, quoi. Je poursuis avec un tarot sur ma wishlist. C'est un tarot qui est sur ma wishlist depuis qu'il est sorti en anglais. Mais là, il va sortir en français. Et même si l'anglais, ça m'a jamais vraiment freiné, tu vois, dans le fait d'acquérir un tarot, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais le prendre en français, voir un petit peu... voir quoi. Tu sais, parfois, pourquoi se compliquer la tâche quand on peut faire simple. Le tarot que j'ai dans ma wishlist pour l'instant, je pense que je vais craquer très bientôt là, c'est le tarot des vilains. Celui-là. De Disney. Disney et moi, on est copains parce que j'ai regardé des Disney pendant toute mon enfance, mais ça m'a jamais fait rêver là, tu vois. Par contre, les vilains dans Disney ont été certains de mes plus grands professeurs, je pense, pendant mon enfance. Jusqu'à ce que je découvre Harry Potter. Soit. Les vilains sont pour moi les personnages les plus fascinants du monde et je trouve ça génial qu'on mette en avant ces personnages-là. Pour l'instant, il y a beaucoup de livres comme ça qui sortent avec le dessous de l'histoire de Cruella ou l'histoire de la petite sirène vue avec du point de vue d'Ursula, etc. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que j'aime les vilains. J'aime profondément les vilains dans les histoires. Donc, c'est un tarot qui est sur ma wishlist. Je pense craquer. Et je pense que c'est un parfait tarot pour m'accompagner jusqu'aux fêtes de fin d'année. Donc je pense que, ouais, je pense qu'il sort début novembre, là, donc je vais me laisser tenter, je pense. Là, il est à la température parfaite, tu sais. Ça, je pense que c'est un de mes petits plaisirs. C'est quand tu bois le thé et qu'il est à la température parfaite. Que tu dois pas souffler, que tu dégustes ta boisson sans prendre garde à te brûler les lèvres. Parfait. Je termine ce taroté par la question posée par... alors, cette fois-ci, la question, j'ai retenu la personne qui me l'a posée, c'est Gladys. Alors, je vais le dire comme ça, mais c'est sûrement Gladys, je ne sais pas trop, sur Discord, qui m'a posé une question que j'ai trouvée super cool dans le Discord de Taronaut. Cette question, je vais te la lire, hein, je l'ai écrite quand même parce que... bon. Comment faire pour se connecter avec un tarot, un nouveau tarot, sans avoir l'impression de trahir ce qu'on possède déjà? Alors ça, comment te dire, j'adore cette question. C'est quelque chose que j'ai jamais vraiment ressenti, mais je peux comprendre qu'on puisse le ressentir. Dans le sens où, quand on apprécie un tarot, quand on travaille avec des tarots, typiquement, moi, par exemple, le Deviant Moon, c'est mon premier tarot. Y a un lien très fort qui peut se créer avec cet outil, surtout si c'est le premier, là, tu vois. C'est vrai que quand c'est le premier tarot, il y a vraiment quelque chose de spécial qui se crée. Travailler avec un autre tarot,
et avoir le sentiment de trahir l'autre, je pense que c'est aussi véhiculé par la culpabilisation de la collection, je pense, dans la communauté tarologique, où le fait d'avoir énormément de tarots, c'est pour les collectionneurs, mais si tu les utilises pas, tes tarots, ben, t'es pas censé avoir des tarots dans tes armoires, tu vois. Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je sais exactement comme ma bibliothèque, ma tarothèque, elle a exactement la même fonction. C'est-à-dire que parfois, certains livres restent des années sans qu'ils me servent à quelque chose, et puis parfois, c'est juste eux dont j'ai besoin. Et je les ai comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Mais travailler avec un tarot et avoir la sensation de trahir l'autre, pour moi, une des façons de contourner ça, c'est de comprendre que tes tarots, ils peuvent tous avoir, ils ont tous leur place finalement dans ta collection. Une manière de détourner ça, je pense, encore une fois c'est compliqué pour moi parce que je ne vis pas ça. Tu sais, je culpabilise pas parce qu'un tarot n'a pas été utilisé pendant longtemps là. Donc déjà, le fait de je vais prendre un tarot, je vais trahir mon premier, donc je vais pas trop l'utiliser, ça m'arrive pas là. Mais encore une fois, je peux comprendre. Et en me mettant à ta place, Gladys, je pense que ce que moi je ferais, c'est de comprendre qu'en fait, chaque tarot est un professeur. D'accord ? Prends chaque tarot comme étant un professeur. Quand tu étais à l'école, tu avais 15 professeurs différents. Et en travaillant avec un professeur, tu n'avais pas la sensation de trahir ton professeur préféré. Tu vois ? Ben, c'est exactement la même chose. Chaque professeur t'apprend quelque chose de différent, d'une manière différente, à un langage différent, à une vision du monde différente. Un professeur va te challenger, un autre professeur va te réconforter, un autre professeur va te faire rire. Eh bien, les tarots, c'est ça. Et en fait, parfois, tu as besoin d'un professeur qui n'est pas le tarot avec lequel tu as un lien quasiment exceptionnel. Et c'est OK. En fait, ça ne veut pas dire que tu vas délaisser ce professeur-là. Peut-être qu'un jour, tu n'en auras plus besoin. Mais en tout cas, si tu prends ça comme chaque tarot est un professeur et chaque tarot est un miroir d'une partie de moi et il a la capacité de m'apprendre quelque chose sur moi-même, alors tu vas même avoir envie d'avoir plus de jeux pour essayer d'avoir encore plus de professeurs et pour apprendre encore plus sur toi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, je le sais bien. C'est la raison pour laquelle j'ai énormément de jeux dans ma collection. C'est parce que je sais que chacun de ces jeux est un portail vers quelque chose que j'ai à apprendre sur moi et sur le monde. Et moi, ça, c'est ma plus grande passion, en fait. Donc, je pense que c'est une piste intéressante à explorer. Mais je trouvais ça très intéressant comme question parce que pour moi, dans ma collection, il y a certains jeux, par exemple, qui ont une fonction particulière. Comme par exemple, quand je pratique le travail de l'ombre, quand je fais une étude de l'ombre, il y a certains jeux qui m'aident dans une certaine étape de mon travail de l'ombre, d'autres jeux que je vais utiliser systématiquement pour une autre étape de travail de l'ombre, certaines étapes de travail de l'ombre où je peux utiliser n'importe quel jeu de ma collection, d'autres pas du tout. Donc voilà, ça c'est, tu vois, c'est chaque jeu étant unique et ayant une leçon à nous apporter et ayant un rôle à jouer dans notre équipe finalement, ça peut peut-être t'aider à dépasser ce sentiment de trahison. Je te laisse donc pour ce taroter, c'était bien agréable de filmer, je dois dire que ça m'a fait plaisir de te papoter tarot autour de cette petite tisane merveilleuse Nox qui est finie par refroidir. Hein. C'est... Si justement tu es intéressé d'en savoir un petit peu plus sur le rôle de certains de mes tarots dans mon travail de l'ombre, si tu es intéressé de comprendre comment on peut sélectionner correctement, efficacement, adéquatement un jeu de tarot et ou d'oracle pour son travail de l'ombre, selon les différentes étapes d'un travail de l'ombre. Si tu es intéressé par le shadow work, que tu sais pas par où commencer, que tu sais pas quel jeu choisir, que tu sais plus, que tu sais pas, que tu es perdu et que tu as envie de participer à un atelier génialissime de 2 heures que j'anime personnellement de mes petites mains, de ma petite tête et de. Voilà. tu peux nous rejoindre. Je te laisserai le lien en barre d'infos, mais j'organise un workshop ce jeudi 27 octobre. 2022, de 19h30 à 21h30, c'est un workshop éphémère évidemment, c'est maintenant quoi. Tu peux t'inscrire, toutes tes informations sont en barre d'infos, avec grand plaisir je te rejoins ce jeudi pour papoter
tarot de l'ombre. Et je te retrouve d'ici peu, normalement, dans ma pièce d'amour qui sera probablement finie d'ici là, dans une prochaine vidéo. Salut !